Bienvenue dans un nouvel épisode du Squeak Show by Tony Parker. Et aujourd'hui, on va parler avec quelqu'un, il va y aller quoi. C'est du niveau de Evan Fournier, moi je trouve. En plus, on a plein de questions. Il a envie de parler en plus aujourd'hui, donc ça fait plaisir. C'est pas moi. Non, c'est pas toi, Alistair. Parce qu'en plus, il fait rarement des médias, donc ça fait plaisir. Mais tranquille aussi, tu vois, parce que c'est un de mes coéquipiers préférés. Ouais, tranquille. Faut y aller moule aussi. Ah, c'est un de tes coéquipiers préférés. Ouais. C'est pourquoi ? Non, dis-moi. Parce qu'il a des coronesses. Ah, ça, c'est sûr. Il a des coronesses. Mister Thomas Hertel, rien il est là ou pas ? Le froid là-bas, déjà, il faut avoir Déjà, ouais. L'hiver, là, ça doit piquer quand même. Ah, bah le voilà. Salut, Thomas. Voilà. Ça va, Tom ? Hello. Ouais, ça va, et vous ? Ça va, t'as pas trop froid ? Non, ça va. Il fait combien, là ? Là, il doit faire moins quelque chose, mais la semaine dernière, il faisait des moins 20, moins 22. C'était compliqué. Moins 22, Attends, mais quand il fait moins 22, c'est pas chaud après pour aller dehors le visage, ça doit brûler, là. Ça pique. Ça pique. Donc, t'es obligé de te protéger au maximum. Tu protèges le visage aussi ? Ouais, tu mets une sorte de cagoule, quoi. D'écharpe. Genre, t'as de la glace sur les sourcils, sur la barbe. Après, je vais pas te mentir, à moins 22 ou moins 20, on sort pas beaucoup dehors. Ouais, tu m'étonnes. Mais quand il tombe de la neige à fond, c'est toi qui conduis ou on t'emmène ? Non, c'est moi qui conduis. Ah, d'accord. Les questions existentielles, tu sais. Ouais, non, tu sors de chez toi, il y a des jeux, il y a un mètre de neige. Tu fais comment ? Alors, il fait froid quand même. Tu fais comment ? Ah ouais, c'est chaud. Ah non, franchement. Saint-Pétersbourg, il est tombé. Ouais, grave. Saint-Pétersbourg, ouais. Ça se passe comment là-bas ? T'es content ? Parce que moi, j'ai toujours entendu que Saint-Pétersbourg, c'était une super belle ville et que les installations étaient super sympas. Je suis jamais allé là-bas. Non, après, la ville, elle est top. Il y a que le climat où c'est un peu chaud, quoi. Mais après, le club, etc., les infrastructures, etc., pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Et malgré tout ce qui se passe dans le pays, ça vit normalement autour de toi ? Ouais, ça vit normalement. Tu ne ressens pas du tout ce qu'on entend à la télé, quoi. Pas du tout. Et vous voyagez normalement dans le pays, quand dans votre championnat ? Normalement. Enfin, ouais, normalement, seulement quand on va jouer, par exemple, contre des équipes comme Kuban, qui est à la frontière de l'Ukraine. Ouais. Au lieu de faire 3 heures d'avion, on fait 10 heures, quoi. Qu'en fait, tu contournes le truc, tu vois. Ah, d'accord. En avion. Ouais. En avion, ouais, c'est compliqué, là. Ah ouais. Mais je crois que là, d'ici peu, ils vont réouvrir les aéroports. Donc, je pense que la situation, elle est en train de se calmer, je pense. Ok. Et tu joues que la VTB League, qui est le championnat russe. Toi, qui as joué toute ta vie en Euroleague, t'as pas ce petit manque des compétitions européennes ? Bah si, carrément. Après, moi, l'objectif, bien sûr, c'est de revenir en Euroleague. Hein. C'est sûr que regarder les matchs d'Euroleague à la télé, c'est comme le froid, ça pique, tu vois. Mais, c'est sûr que c'est un peu un manque, tu vois. Même si la VTB, c'est plutôt pas mal, mais bon, l'Euroleague, ça reste l'Euroleague. Et le niveau, tu le trouves quand même costaud ? Il est correct ? Le niveau, ouais, il est assez correct. Il y a beaucoup d'Américains, plus cette année que l'année dernière. Individuellement, c'est plutôt correct, mais après, tactiquement, c'est vrai que c'est un niveau moindre qu'en Europe, on va dire, par rapport à l'Euroleague ou même en Espagne, etc. Mais sinon, individuellement, ouais, il y a plus de qualité que, je pense, qu'en France, on va dire. Et t'as prolongé là, jusqu'en 2025. Est-ce que c'est uniquement dû à la présence de Ravi Pasquale ou c'est juste parce que t'es bien là-bas, ta famille qui te sent bien Non, après, moi, je vais pas te mentir, économiquement, c'était la meilleure option. Tu gagnes de l'oseille, oui, Thomas, on le sait, tu gagnes de l'oseille. Ouais. Moi, 22, j'espère que tu gagnes famille. De l'oseille. Et donc, c'était. Enfin, moi, l'année prochaine, j'ai une option. C'est option des deux côtés. Et on va voir ce qui va se passer. Et tu aurais un choix parce que j'imagine que tu dois avoir quand même d'autres offres de clubs d'Euroleague.
J'ai du mal à croire un joueur de ton talent, il n'ait pas d'offre en Euroleague. C'est pas possible. Non, j'ai eu des offres d'Euroleague, mais après, financièrement ou économiquement, c'était. Je prends ici, je prends le double, quoi. Tu vois. Donc, c'est pas comme si j'avais 23 ans et que je me dis, écoute. Bien sûr. Non, mais après, il faut penser à sa famille, tout ça, je le comprends et je l'entends. Et je me dis que tu as une option à la fin de l'année pour au moins avoir des possibilités si quelqu'un match. Bien sûr, tu vas privilégier cette option-là de retourner en Euroleague. Ouais, bien sûr, mais même pas forcément si il match. Hein. Je suis là, c'est un peu un sacrifice que je fais d'être venu ici en Russie, même si ça se passe très bien. Mais l'année prochaine, je suis prêt à revenir en Europe à faire, enfin, avec un degré moindre de salaire, quoi. Est-ce que tu paries négocier avec Thomas en direct là en fait pour l'année prochaine? Comment ça se passe? Allez-y, on va. Est-ce que tu paries que comme il y avait des discussions que Saint-Pétersbourg, ils allaient venir en Euroleague avant que la guerre commence, que si ça se termine, peut-être ils ont une chance de revenir. Est-ce que c'est un pari aussi dans un coin de ta tête? C'est ce qu'il dit, ouais. Ouais, bien sûr, mais après, bon, ça dépend pas forcément du club ou ni de. Tu sais, ça vient de plus au-delà, quoi. Tu sais, Poutine, etc. Donc, mais c'est ce qu'il se dit, hein. C'est ce qu'il se dit que si la guerre se calme et si la situation se calme, il reviendrait en Euroleague, ouais. Après, bon, ça, tu sais jamais, quoi. Il y a beaucoup de Français, là, en Russie. Il y a Matembaï, Louis Laberry, Livio Jean-Charles, tu joues avec Adrien. Vous êtes en contact, vous voyez un peu? Ouais, bien sûr, on est en contact. Hein. On se voit souvent. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'équipes en VTB. Il n'y en a que 12, je crois. Donc, on joue les uns contre les autres plusieurs fois dans l'année. Donc, on se voit souvent. Et après, il y a même des Français d'autres sports. Un mec du volley. Grebennikov. Pas loin de chez moi. Ouais, voilà. Et qui est franco-russe, je crois, si je ne me trompe pas. Et il y a un joueur de foot aussi qui a signé au Zénith, un Français. Et tu parlais justement de sacrifice. Et donc, je disais dans mon intro, je ne sais pas si tu nous as entendu, que tu étais. Enfin, tu as été toujours un de mes coéquipiers préférés en équipe de France. Et donc, bon, il dit ça à toutes les personnes qui viennent dans cette émission, hein, Thomas. Quel mytho, toi. J'ai jamais dit Stephen Brun. Donc, tu vois, donc déjà. Et je disais justement parce que t'as les Coronets et moi j'aimais bien jouer avec des joueurs qui ont pas peur et tout ça. On parlait que ça te manquait un peu aussi l'Euroleague, ça te manque un peu aussi l'équipe de France parce que t'es clairement un joueur qui peut aider l'équipe de France parce qu'on a quand même des gros problèmes au poste de meneur de jeu, quoi. Ouais, bien sûr, ça m'a fait. Enfin, j'étais triste de pas être avec l'équipe de France l'été dernier. Malgré les mauvais résultats, mais j'espère, si la situation se calme, si on trouve une solution, être là pour les JO 2024, bien sûr, c'est un objectif, et ouais, bien sûr. Et on en est où, là, de discussion? Tu discutes avec Jean-Pierre Suta, avec Boris Dio, est-ce qu'il y a des avancées en termes de politique? Est-ce qu'on a enlevé cette charte de merde, ou elle est toujours là? Non, avec Jean-Pierre Souta, non, on n'a pas discuté. J'en ai parlé avec Boris, j'ai parlé avec Vincent. Mais bon, voilà quoi. Ils me disent que si je reste à Saint-Pétersbourg et si j'ai un contrat encore l'année prochaine avec Saint-Pétersbourg, c'est impossible que je fasse les JO, quoi. Il faut que je signe avant l'annonce du groupe. Mais bon, l'annonce du groupe, c'est en avril, et je pense qu'il n'y a pas un joueur dans le marché qui signe un prochain contrat dans une équipe d'Euroleague ou en Europe. Ouais, c'est impossible. Avant juin, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout que j'ai encore un an de contrat, enfin, une option. Donc ça serait, entre guillemets, illégal. Et ça, c'est le message qu'a fait passer la ministre des Sports à la Fédération. Donc peut-être que la ministre des Sports, elle n'est pas vraiment au courant du marché du basket, quoi. Ouais, mais ce qui est quand même étrange, c'est que les athlètes russes vont être à Paris, alors sous bannière neutre, mais le CIO a accepté que les athlètes russes viennent à Paris. Alors s'ils sont champions olympiques, il n'y aura pas d'hymne national. C'est quand même bizarre que Thomas, qui joue en Russie, moi ça me paraît hallucinant en fait, cette situation. Surtout compte tenu de la situation de l'équipe de France, on a vu les résultats l'été dernier, on a clairement besoin d'un joueur comme ça en équipe de France actuellement.
Sur le poste de meneur de jeu, à la création, oui, enfin, je sais pas, moi, tu me dis un pick and roll, Victor Wembanyama, Thomas Hurtel, je suis pas loin de me mettre en slip. Hein, Donc, ouais. Et toi, tu réfléchis en fonction de la situation de l'équipe de France en disant si je veux faire les jeux, il faut que je prenne une décision ou tu te dis bon, les deux peuvent être peuvent cohabiter ensemble. Ben moi, j'ai pas forcément de décision à prendre. Ma décision, elle est forcément prise. J'ai envie de faire les jeux. Après, il faut que j'attende la fin de mon contrat, enfin la fin de cette saison, pour voir si je reste ici ou pas. Après, je sais pas si je vais rester ici, mais il faut que j'attende au moins mi-juin pour savoir quoi. Mais eux, ils veulent que je prenne ma décision mi-avril. Donc ça, c'est pas possible. Ah, mais ça, c'est compréhensible, parce que le marché de l'Euroleague, il n'y aura rien avant mi-juin, ça, c'est sûr. Et justement, je vais revenir sur Tony Thomas. À la mi-saison, il y a eu des articles comme quoi tu avais demandé à Thomas s'il était intéressé pour venir à l'ASVEL. Toi, quand tu dis, Thomas, est-ce que tu veux venir jouer chez nous, est-ce que tu joues sur ce truc-là, si tu viens à l'ASVEL, les portes de l'équipe de France s'ouvrent ? Non, pas du tout, parce qu'il y a une réalité économique. Et donc, un joueur comme Thomas, bien sûr qu'on serait trop intéressé d'avoir un joueur comme Thomas. Mais après, pour l'instant, nous, on n'est pas encore assez costaud financièrement pour avoir un joueur comme Thomas. Mais bien sûr que nous, on est intéressé. Et Thomas, il est déjà venu chez nous, il a été champion avec nous. Il sait voilà, le respect et toute l'affection que j'ai pour lui. Donc, bien sûr que si l'année prochaine, économiquement, on peut faire une offre intéressante pour Thomas. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'il a dit, et il a raison. Ça ne sera pas avant mi-juin, fin juin même, avant que les clubs d'Euroleague, on travaille sur notre budget de l'année prochaine et voir ce qu'on peut faire. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans une situation facile. Après, il vient de le dire, il veut jouer en équipe de France, et moi je trouve ça dommage de se priver du meilleur meneur disponible pour l'équipe de France. Surtout, c'est les JO. Ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu les JO en France. Il y a Victor qui va venir. Et comme tu as dit, pick and roll, Victor Thomas, moi aussi, je chine tous les jours. Cet ultimatum là, d'avril, en fait, c'est naze, quoi. Enfin, c'est impossible à tenir, hein, d'après ce que me dit Thomas et d'après ce que tu me dis aussi, Tony. Ouais, mais je comprends pas, en fait, pourquoi on n'a pas changé, pourquoi on a la charte, pourquoi on ne l'a pas déchirée, pourquoi on ne s'est pas adapté à ce que fait le CIO. Quand je vois Grebennikov, qui, alors lui, c'est un petit peu différent parce que son contrat, il était déjà en Russie avant que la guerre se déclare, mais qui est chaque été un pion essentiel de l'équipe de France de volley. Moi, ça m'emmerde en fait. On le voit très bien. Ça m'embête. Et Thomas, j'ai une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais cette charte-là, avant l'Euro, quand on vous demande de signer cette charte, est-ce que Jean Persuita, Vincent Collet, Boris Diaw, ils savent très bien que tu vas aller au Zénith. Bah, bien sûr qu'ils savent. Bien sûr que la charte, c'était quelque chose de bidon. C'est pour ça que, bien sûr qu'il faut la déchirer, tout le monde est au courant. Tu te rends compte, ils ont fait signer la charte à un mec, après ils l'ont emmené à l'Euro, en sachant très bien qu'il est... Non, mais ça, on le sait tous, hein. On le sait tous. Après, moi, ce que... Non, mais si tu vas aller au bout de l'éthique... Ouais. Tu dis, tu vas au Zénith à Pétersbourg, très bien, merci Thomas, à bientôt, tu sors de l'équipe de France. Ça, il le savait. Parce que là, c'est trop facile de dire, vas-y, signe la charte, tu vas au Zénith. Je t'ai donné un scoop quand même. Avec nous parce qu'on a trop besoin de toi. Et puis, mais je suis d'accord avec toi, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord. Non, mais c'est sérieux, c'est pas sérieux. Non, mais moi, j'espère que, de toute façon, on veut essayer d'avoir le meilleur résultat possible au JO. Si on veut avoir le meilleur résultat possible, Thomas, il faut qu'il soit dans l'équipe. Bon, vas-y, on se barre de l'équipe de France. J'avais juste une petite question. Puis en plus, je t'ai déjà tout dit là. Je t'ai donné un scoop quand même là. Oui, tu m'as donné un scoop. Non, mais parce qu'en plus, il a 99 sélections, Thomas. Il en manque une pour être. Ah, c'est vrai. Il a 90. Ah, je savais pas ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que ça, c'est la barre symbolique en plus. Le 100, c'est la barre symbolique en équipe de France, tout sport confondu. C'est la barre symbolique. Ça, il y a les JO, c'est Paris, c'est année olympique. Enfin, Et Thomas, je voulais voir. On n'a jamais parlé de NBA ensemble. Est-ce qu'à un moment donné, dans ta carrière, tu as eu une possibilité d'aller en NBA? Parce que quand je vois des mecs, tu n'as rien à envier à Marcelinho Huertas, qui n'a pas fait une grande carrière, mais qui a joué avec les Lakers. Est-ce qu'à un moment donné, tu as vraiment eu des pistes concrètes Non, pas vraiment. Peut-être après mon année, ma première année à Barcelone, j'ai eu une petite piste, mais ce n'était pas vraiment quelque chose de garanti et clair. Quoi. Sinon, j'y serais allé, bien sûr. Bon, c'est un peu naze à chaque fois de demander à un joueur ce qu'il pense d'un autre joueur. Je sais que c'est pas facile de répondre, mais Wemby, t'en penses quoi? Tu le vois aussi? J'imagine que tu suis ce qu'il fait aux Spurs. Ouais, bien sûr. Hein. Bah, potentiel incroyable, hein, comme tout le monde. Hein. J'ai la même image que lui
enfin de lui pardon, que tout le monde, après avoir ce qu'il va faire au JO, quoi. Je suis pressé de voir ce qu'il va faire. Ah, par rapport aux Jeux européens, tu veux dire? Ouais, par rapport aux Jeux européens, tu sais très bien que ça joue beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus tactique. Enfin, c'est le terrain, il y a moins d'espace. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter? Là, ça ne sera pas les fenêtres contre l'équipe C de la Lituanie. Donc après, comme je le dis, un potentiel incroyable, talent incroyable, l'un des plus gros, peut-être, talents qu'on n'a jamais vu. Mais ouais, je suis pressé de voir ce qu'il va donner. J'espère, bien sûr, j'espère que ça sera positif pour aider l'équipe de France et ouais, voilà quoi, et le maillot quoi. Est-ce que ça t'inquiète que Evan il joue pas du tout à New York pour le prendre en équipe de France, même s'il joue pas toute la saison? Ouais, après le connaissant bien et on discute beaucoup avec Evan. Je sais qu'il s'entraîne beaucoup, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de compétition, bah, c'est dur, quoi. Après, il va vouloir peut-être faire les JO, prouver qu'il a encore le niveau, même s'il a, je pense qu'il a encore. Mais à mon avis, ça serait mieux qu'il se fasse trade d'ici peu pour qu'il reprenne la compétition pour être prêt pour les JO. Ouais, c'est clair. C'est clair, très c'est bien. Clair. T'as une autre question, Stéphane? Non, on va pouvoir laisser aller faire des boules de neige. On va aller... À moins 22, c'est des boules de glace. Hein. C'est plus des boules de neige. Des glaces, ouais. Merci beaucoup, Thomas. Bah, merci, Tom. Merci, Tom. Merci cool, beaucoup. Merci à, vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est fou, quand même. Vous avez lâché un petit scoop, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un scoop. Hein. D'ailleurs, tu peux le répéter, le scoop. C'est-à-dire qu'il a signé la charte en disant qu'il n'allait pas s'engager en Russie, sauf que tout le monde savait, l'état-major d'équipe de France savait qu'il allait aller en Russie après l'Euro. Non, mais quand tu réfléchis, c'est incroyable, non? Je sais. Je sais. C'est... je sais pas, après, je me dis, vas-y, c'est bon, qu'on passe à autre chose, en fait. Moi, j'aimerais juste dire, vas-y, qu'on passe à autre chose, qu'on fasse la meilleure équipe de France possible en 2024, parce que c'est pas tous les jours que t'as les JO à domicile. On a une équipe, franchement, super talentueuse. T'as Victor, il est motivé, Thomas est motivé. Si tout le monde est en bonne santé, tu sais comment c'est rare, quand même. Tu sais, moi, un de mes plus grands regrets, franchement, parce qu'on parle souvent de tous mes titres, tout ce que j'ai gagné. C'est ça. Quoi, c'est de pas avoir gagné en France. Non, un de mes plus grands regrets, c'est quand Joachim Noah, il se blesse en fin de saison avec les Bulls. Ah, il fait pas et le jeu. Je savais qu'il allait pas venir au JO 2012 après ça, parce qu'il s'est fracassé la cheville. Et je me dis qu'en quart de finale, là, quand on joue l'Espagne, là, et qu'on mène tout le match, jusqu'à 1 minute 45 de la fin, on était à plus 7, tout ça, et je me dis... Si on avait Joachim, je suis sûr qu'on serait allé en finale de DJO. JO 2012, c'est quand t'as tes Google ou quoi? Ouais, quand j'ai mes goggles. Ouais. et je me dis que si tout le monde est en bonne santé, il ne faut pas louper des opportunités. Mais c'est ça, quand tout le monde est en bonne santé, parce que quelle autre je te jure, équipe ferait il ça. Va avoir des blessés, il va avoir des trucs. Tu vas voir, Victor, avec le corps qu'il a, je ne sais pas s'il pourra venir tous les étés en équipe de France. Je pense que c'est presque impossible d'être aussi grand et de faire 82 matchs en NBA. Les Spurs, il y a des attentes de ouf. Et après, dire qu'il va jouer tous les étés en équipe de France, moi, j'ai du mal à croire. Parce que même moi, avec mon petit corps, je n'ai pas joué tous les étés. Et j'ai un corps qui a duré dans le temps. Et tout ça. Quand tu es grand comme ça, mais Kevin Garnett, Tim Duncan, tout ça, ils n'ont jamais joué tous les étés. C'est pas possible. Jokic n'a pas joué l'été dernier. Non. Et c'est pour ça que je te dis que là, on a une super opportunité de jouer les JO en France à domicile. On doit faire la meilleure équipe. Mais après, il y a des gens qui vont te dire il faut aussi mettre une nouvelle génération. Thomas, c'est l'ancienne génération. Il faut aussi mettre on fera ça après. On fera ça à la prochaine compète. Mais pas 2024. Mais parce qu'il y a des gens qui font le comparatif là sur ce qui arrive à Paris 2024 avec ce qui s'est passé à Rio en 2016 où Vincent a emmené ta génération avec Mike, avec Flo, en disant eh ben on va au bout avec cette génération et ça s'est mal fini. Et les gens ont peur que ça se termine mal parce qu'on va aller au bout aussi avec mal fini de quoi? Et qui était meilleur que nous? Les Espagnols. Non, mais là on parle pas de ça. On parle de qui t'aurais pris qui à la place de nous en 2016 en France. Okay. T'aurais pris qui? Là comme ça, je sais pas. Personne, je te le dis. Personne, t'aurais pris qui? Il n'y avait personne qui était meilleur que nous. On était tous encore au top de notre forme. On était tous encore au top dans chaque club où on était. En 2016, t'aurais pris qui? Donc, l'Espagne, oui, ils étaient plus forts que nous. Mais l'Espagne, c'est une des générations, une des meilleures générations de l'histoire du basket, cette génération-là, avec les frères Gasol. Donc, il n'y a pas de honte de perdre contre l'Espagne en quart de finale des JO. Tu fais partie des 8 meilleures équipes dans le monde entier.
quand tu sais où moi j'ai démarré avec ma génération, où l'équipe de France, on n'était même pas respecté. Notre première médaille en 2005, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas une médaille dans un championnat d'Europe. On ne s'est pas qualifié quand on perd à Limoges contre la Turquie ensemble. Bien sûr. Mais tu sais que le basket français, on part de très très loin. Les arbitres, ils ne nous respectaient pas. Et c'était chaud quand ma génération, on a commencé avec l'équipe de France. C'est super dur. Et après, maintenant, on a un statut, on a enchaîné plein de médailles. Ce serait dommage. OK, l'année dernière, ça ne s'est pas très, très bien passé, mais ça peut arriver. On a quand même enchaîné 3-4 médailles de suite. Là, les JO 2024, moi, j'essaierai de faire la meilleure équipe possible. Et surtout parce que ça s'est mal passé l'été dernier. Oui, exactement. Au bout d'un moment, Et après, 2025, tu peux repartir sur un cycle et tout ça, mais ce serait un manque de respect de ne pas prendre tous les joueurs qui ont participé là depuis 4-5 ans et ils nous ont ramené des belles médailles, que ce soit la Coupe du Monde en 2019 ou la belle médaille d'argent à Tokyo. Enfin, à un moment donné, laissez finir cette génération. Et après, en 2025, si tu veux repartir sur autre chose, pourquoi pas? Ok, ouais. On a hâte de voir ce que ça va donner. Tu seras là à Paris, tu vas aller voir jeu. Moi, je serai là, bien sûr. Moi, je serai là. Je serai là pendant les JO, bien sûr. Tu vas aller à Lille la première semaine? Non. Tu les attends, tu les attends juste pour les phases finales Quart finale. Quart finale, d'accord. Avant, je vais aller voir Teddy, je vais aller voir d'autres trucs. T'as envie de voir quoi, d'ailleurs? T'as envie de voir quoi pendant les jeux? Alors, en priorité, Teddy, oui. Teddy Riner, ça, c'est sûr. Après, j'aimerais bien aller voir la natation. Longmarchand. Exactement. J'aimerais bien aller voir Simone Biles, la gym. Mmh. J'aimerais bien aller voir le 100 mètres, parce que c'est le truc à faire, le 100 mètres. Plongeon aussi, ça peut être pas mal, à Tour Eiffel. Je pense que j'irai faire ça. Et puis après, dans la deuxième semaine, je me concentrerai sur le basket, parce qu'ils seront enfin là pour les demi et finales. J'espère que les filles et les garçons seront là. Mais moi je suis excité pour les JO, ça va être sympa. On enchaîne, on parle de records qui sont faits pour être battus, évidemment. Celui notamment de Kobe, les 81 points. Vous voyez quelqu'un capable actuellement de battre ce record? Alors c'est vrai qu'on voit des performances de plus en plus et en plus de plus en plus fréquemment approcher de ce record. Qui vous voyez capable de battre celui-ci? Moi franchement, je pensais que jamais je verrais quelqu'un se rapprocher des 81 points. Pour moi, c'était tellement impossible. Et Kobe, il avait cette mentalité de scorer. Et il était capable de mettre beaucoup de paniers à 3 points. Donc, c'est pour ça qu'il en a mis 81. Mais je pensais qu'on ne verrait jamais quelqu'un s'approcher. Quand j'ai vu Luka mettre 73 avec un pourcentage de malade, je me dis, mais waouh, peut-être c'est possible. Avec la nouvelle NBA, comment la NBA se joue en ce moment, le talent que les joueurs ont, en fait, des 3 points, c'est comme si c'était des 2 points pour eux, parce qu'ils ont pris l'habitude et ils shootent énormément de 3 points. Il y a beaucoup plus de tirs, beaucoup plus de possessions. Peut-être c'est possible. Hein. Peut-être c'est possible. Parce que tu as quand même 4 joueurs qui ont mis plus de 70 points dans les 2-3 dernières saisons. Là. Donc. Qui tu vois le faire? Moi, je pense qu'il va tomber déjà. Kobe 81, ça va tomber. Tu penses que ça va tomber? C'est la carotte. Ça va tomber. Tu penses ça va tomber. Luka, il en est capable. Luka en est capable. Maintenant, Luka. Luka, tu sais pourquoi Luka, il en est capable? Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, là, quand il a mis ses 47 au championnat d'Europe, là, FIBA, il joue tellement toutes les possessions. Oui. Il a tout le temps la balle. Et c'est construit, en fait, pour qu'il batte un record comme ça, en fait. Son équipe, il a tout le temps la balle. Moi, je n'ai jamais vu une équipe où, même LeBron James et Michael Jordan, je trouve que ce n'était pas autant. Non. Le dernier glouton comme ça. Tout le temps la balle. Le dernier glouton, c'est James Harden. Le dernier glouton. Voilà, ouais, James Harden, ce serait le truc qui se rapproche le plus. Ouais. Où tu as tout le temps la balle, chaque possession. Je me suis dit, t'imagines si tu faisais pick and roll, moi et Duncan, et j'ai la balle tout le match, pendant 48 minutes. Mmh. Tout le temps la balle, pick and roll. C'est. Après, moi, je pense que Luka, il peut le faire maintenant sur le match à 73. Il a des pourcentages hors normes. Il fait 8 sur 13 à 3 points. Il fait 15 sur 16. Lancers. Il loupe 8 shoots. Hein. Bon, c'est monstrueux. J'ai envie de te dire qu'un Joel Embiid qui met 70 en mettant un seul tir à 3 points pourrait éventuellement monter un peu plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais comment déjà mettre 70 et 1-3 points, c'est chaud. Hein. C'est déjà énorme. Alors il tire 23 lancers francs, il fait 21 sur 23 lancers francs. Mmh. Mais tu te rends compte que Joel Embiid, qui a quand même sa qualité de tir à 3 points, un soir où il est un peu en chaleur, il met 5 ou 6 tirs à 3 points plus le carnage. Après, Yanis, il met 64 ou 62 en mettant 0 tir à 3 points. Alors je sais que ce n'est pas sa qualité première, mais il y a bien un jour où il va avoir un soir où il va être un peu en feu. Je vois pas Yanis mettre 81 points, non. Embiid encore, je peux l'entendre. Parce que pour moi, pour battre un record comme ça, il faut que tu mettes au moins 6-7 paniers à 3 points quand même, pour battre un record comme ça. Ah oui, minimum. 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 Alors Kobe, je ne sais pas combien il en a mis le soir où il met 80. Kobe
Je crois qu'il en met 8. Il en met 8. Il en met 8. Donc tu vois, c'est. Lillard en met 13 quand il, fait, quand il met 71. Il met 13 tirs à 3 points. Il en met 13. Ouais. T'imagines. Après, dans tous les gros chiffres comme ça, il y a des mecs qui vont sur la ligne à gogo. T'es obligé d'aller au lancer franc beaucoup. T'es obligé. Parce que comme t'es chaud, bah, les défenses vont monter, vont être agressives. Donc il faut que tu sois bon au lancer franc parce qu'ils vont faire des fautes à un moment donné. Ils en ont marre que tu marques tout le temps. Mais pour revenir sur le fait que la NBA a changé, je suis d'accord que la NBA a changé, les règles ont changé. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a des bons défenseurs dans la ligue. Il y a des mecs qui savent défendre. Sauf que tu ne peux plus défendre comme avant. Mais c'est ce que je dis. Parce que c'est, les mecs sont trop larges. Tu dis qu'ils sont bons, mais ils ne peuvent pas utiliser leur qualité. Tu n'as plus le droit de... Oui, de... aussi, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'espace aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu as 5 mecs qui sont en fer à cheval à 10 mètres, t'as beau être un bon défenseur sur l'homme en 1 contre 1, t'as trop d'espace à combler. C'est impossible de tenir un mec en 1 contre 1. Et ça ne veut pas dire que ça défend plus. C'est juste qu'aujourd'hui, t'as 5 mecs aujourd'hui qui sont menaçants. Parce que dans les années 90, on me dit, ouais, ils pourraient pas exister. On laissait toujours un ou deux mecs. Dans les années 90, sur les 5 joueurs sur le terrain, il y avait deux pimpins qui pouvaient pas mettre un tir à plus de 4 mètres. C'est ça. Donc tu pouvais te concentrer sur aujourd'hui, tu peux pas laisser un mec tout seul. C'est ça. Le plus petit joueur de la ligue, sur, tu le laisses en feu pendant 30 minutes, il te met 25 points ou 30 points. Ouais, alors qu'à l'époque, dans les années 90, je pense à des Rod Strickland qui étaient des bons joueurs, mais qui pouvaient pas mettre. Eric Snow, il a fait finale NBA, son meilleur tir c'était le layup. Aujourd'hui, les mecs sont trop forts, tous trop forts, et que c'est impossible de défendre, il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace. C'est donc le 1 contre 1, tu le tiens pas en fait. Avec l'avantage du. Tu peux soulever ton pied pivot sur un départ direct, donc tu as forcément l'avantage sur le défenseur. Le fait que tu puisses plus faire le hand-checking ou ses fautes. Tu peux pas défendre en fait sur ces mecs-là qui sont trop forts. C'est impossible. Ouais, toi, pour toi, les 80, ça va tomber. Toi, tu penses aussi. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça va tomber. Après, qui. Ouais. Je sais pas. Et les 100 points de Will, vous voulez. C'est intouchable. Ça... C'est impossible d'aller. Ça, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est intouchable. Moi, je pense que ça, c'est intouchable. Tu vas nous expliquer, voilà. Ouais. Je sais pas, Tony. Je sais pas où on va avec cette ligue-là. Ouais, je sais. Ça paraît énorme. Non, je pense que ça, c'est ça paraît énorme, mais si on t'avait dit il y a 10 ans, il y a des mecs qui vont mettre 70, t'aurais fait cette même tête-là en disant arrête tes conneries. On sait pas où ça va aller. C'est pas faux. On sait pas où ça va aller. Un match qui va en triple prolongation. 100 points, c'est beaucoup. Hein. Merci. Merci, c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Ouais, mais alors il faudrait que tout soit réuni, genre que ce soit parfait, et que genre tous les joueurs jouent pour ce joueur-là et qu'il y ait 3-4 prolongations. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de cibles. Oui, il y a beaucoup de cibles. Mais en NBA, tu sais pas. Tu sais pas. Quel record vous voyez le plus inatteignable, intouchable? Les 100 points, il y a les 30 passes décisives de Skiles ou les 55 rebonds de Wilt? Lequel vous paraît vraiment, non, mais 55 là, rebonds, impossible. 55 rebonds, bah c'est injouable. Si, parce qu'il y a beaucoup plus de possessions. Moi, je trouve que c'est possible, ça. Ah, mais non, mais à l'époque, il n'y avait que Wilt. Il y avait 4 passes partout. Là, il y a plus de mecs. Il y a plus de mecs qui prennent des rebonds. Wilt, il était tout seul. C'est vrai. 55 rebonds. 55 rebonds. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, tu as 3 mecs dans une équipe qui vont au rebond. Quand Russell Westbrook qui prend 10 rebonds par match, ça veut dire que tu vois, les rebonds sont un peu dispatchés. Wilt Chamberlain, il jouait qu'avec des passes partout. Il prenait 55 rebonds. Le 30 passes ici, je trouve pas ça. Ouais. Je suis d'accord. Parce que comme il y a plus de possessions, plus de tirs, bah, tu peux tomber sur un gars qui fait que des passes. Burton en a fait 23, je crois, cette année. Westbrook, en 2021, il fait 24. Je pense que les 30 passes décisives, ça peut péter. Ouais. Je pense que ça peut. C'est quelque chose, les joueurs, ils y pensent à ces records quand ils jouent. Non, tu n'y penses pas, mais c'est quand tu commences à te rapprocher. Exactement. Tu as les coachs qui commencent à te dire, c'est un de tes coéquipiers, ils regardent l'écran, ils disent, t'es là, vas-y. Toi, quand tu as fait ton match à plus de 50, à un moment donné, on t'a dit, ouais. T'es à 47, 46, ils disent, allez, viens, va pour le double nickel, tu vois, pour 55. Et donc il y a deux prolongations et donc mais d'abord la première prolongation je crois que j'étais à 46 je crois et je me dis dans ma tête je fais les deux premiers tirs, tu les prends, enfin les deux premières actions je les prends quoi qu'il arrive, je me dis quoi que, parce que peut-être jamais de la vie je serai aussi prêt de mettre 50 points dans un match NBA. Et les deux premières actions, si tu regardes, je fais deux tiers drop, je demande mon système à moi, tiers drop, je mets deux tiers drop et j'ai 50 points. Mais bien sûr que je savais. Bien sûr. Mais les gars, ils savent. Quand t'es aussi près de records comme ça. Parce que moi, quand je jouais, 50, c'était le truc. Alors maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est 70, 80. Mais 50 points, c'était genre... tu mets 50 points NBA, c'était énorme, quoi. Moi, je n'ai jamais mis les 50. Hein. Que ce soit en c'est quoi ton career high? En pro J'ai mis 34 ou 35 à Beaublanc à Limoges, je crois. Ah, à Beaublanc, en plus. Sur Adrien Moirement, qui est défendu sur moi.
34 points. 34 étaient... ou 35. 34 tu sais pas, ou 35. Tu sais pas. Non, tu vois ce qui m'énerve là, c'est qu'il sait. Non, je te jure, tu ne peux pas pas savoir ton career high, Stephen. Stephen, tu sais pas ton career high? Vraiment. En Pro B, j'ai dû faire 35 ou 36, mais en Pro A, je crois que j'ai dû faire, je suis monté à plus de 30 à Beaublanc. Bon, il faudra qu'on récupère cette info. Et, ouais, on va bosser sur ça. Wemby, vous le voyez battre le record de contre en un match? 17 contre. Ouais. C'est 17. C'est 17, ouais. Ouais. Vous savez d'ailleurs qui est-ce qui bat ce record? Sais. C'est Will. T'as bossé? Ouais, j'ai bossé. C'est qui? Mec, t'inquiète pas, gros, tu es introuvable. Ouais, introuvable. Non. D'accord. Je me suis dit, moi, j'allais dire Wilt. Ouais, mais non. Elmore Smith. C'est Elmore Smith. C'est qui, avec ça? Les Lakers en 73. En 73. 17 contre. Et pourtant, je prends beaucoup de fierté à bien savoir toute l'histoire de la NBA. Bah là, je savais pas. Ah, histoire de nulle part. Stephen, tu le savais avant de bosser? En 73. 17 contre. Ouais. C'est ouf. Ah ouais. Et dans surtout en 73, ça commençait quand oui, même. Oui. Et dans nos années un peu contemporaines, le Shaq en 93, on a fait 15. Lui, s'en est rapproché. Shaq, il a fait 15. 15 contre, ouais. Ah ouais. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Mutombo, on a fait 12. JaVale McGee, on a fait 12. JaVale McGee, 12. Ouais. Shaq, 15. Ça, c'est Shaq pas 15. Mal. Wemby, il peut le battre, les 17. Méfie-toi. Ouais. Méfie-toi, il est monté à 8 cette année. Ouais. Méfie-toi, là aussi, ouais. Il faut les circonstances. Moi, je pense qu'il peut. Moi, je pense qu'il peut. Mais il faut que Pop le laisse jouer plus alors. Et ça, c'est pas la mentalité de Pop. C'est bon, t'as fait tes 30 minutes. Allez. Non, je pense que... Wemby, pourquoi pas? Ouais, Wemby, c'est possible, ça. Franchement, c'est possible. Un soir où tu goupilles bien, il y a trois papins qui vont faire des fin de saison, les gars, ils sont fatigués, ils mettent contre à tout le monde en fin de saison. Ouais, si, c'est possible. C'est quoi ton career high en bloc? En bloc, 2, je crois. Ou 3. En 3. 3. Il nous fait croire qu'il connaît pas son career high en bloc. En bloc, en assist, c'est 18. En playoff, 18. Et points, bah, c'est 55. Donc, voilà. Correct. Et en équipe de France, 37 contre l'Italie. 37 contre la Turquie, pardon, avec toi, en 2 minutes. 36 en championnat d'Europe, en compétition officielle, match amical. 37. Tu te rends compte que tu aurais pu monter à 39 si tu n'avais pas fait la passe à Yacouba Diawara dans le corner. Ouais. C'est pas faux. J'ai perdu 15 000 euros de prime parce qu'on ne s'est pas qualifié. Ouais, j'avoue. Désolé, Stephen. C'est pas grave. tu peux aussi dire que c'est ta faute, tu as mis un tir au moins dans le match. Je voulais vous faire réagir à plusieurs actus. D'abord, le duel de machines annoncé entre Steph Curry et Sabrina Ionescu qui s'annonce genre juste le rendez-vous le plus sexy de ces All-Star Games. C'était ce que tout le monde voulait. Mmh. Et enfin, on va l'avoir. Ouais, moi, je trouve ça trop cool. Et je trouve que félicitations à la NBA de s'adapter à tout ça et de voir voilà, les trucs qui explosent sur les réseaux. Et franchement, ça va être intéressant. Par contre, Sabrina, elle a dit qu'elle veut tirer le 3 points de la NBA. Alors que dans le règlement qui est sorti hier, elle dit Sabrina tirera de la ligne WNBA avec des ballons taille 6 et Steph Curry tirera distance NBA avec des ballons taille 7. Ça. Mais si Ionescu dit non, moi je veux partir à égalité, pourquoi pas quoi. Ouais, mais pas le gros ballon. Elle veut pas qu'il y ait de doute, 6, mais... parce que c'est elle qui a le record. Hein, c'est elle qui a le record. En tout cas, moi je trouve ça trop bien. Je trouve ça génial et je vais regarder. Et franchement... Ça va être dur. Hein. Hey, Sabrina, ça rigole pas. Hein. À shoot, Sabrina. Franchement, moi, je pense que les deux peuvent gagner. Mais tu sais que ça va pas être genre Steph, il va gagner facile. Ouais. Mais tu sais que, alors, pour avoir la chance. Et elle, elle a rien à perdre. Hein. Elle, c'est elle qui a le record. Elle a rien à perdre. Donc, alors, la pression. Pour moi, toute la pression, elle est sur Steph Curry. Ouais. Mais, pour avoir la chance de faire le jury du All-Star Game en France, on avait proposé il y a quelques années, justement, de faire ça avec Marine. On voulait mettre Marine dans le concours à 3 points. Et apparemment, ils étaient pas trop d'accord parce qu'ils avaient peur si jamais ça se passe mal. Tu sais pas, un soir où Marine n'est pas dedans et qu'elle met tout à côté, que ça soit mal vu par les gens et que ça soit critiqué. C'est dommage. On aurait dû le faire. Ouais. Je trouve ça dommage. Ça aurait été cool. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. L'idée est top. Alors, il faut bien entendu que la fille soit OK avec ça, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer sur tu vois, la raillerie, tu connais la méchanceté des gens, la raillerie des gens, tu sais pas. Ouais, mais là, je trouve que c'est cool, parce que de toute façon, c'est elle qui a le record. Oui. Donc, pour moi, elle a rien à perdre. Pour moi, toute la pression, elle est sur Steph. Steph, s'il perd, il va se faire détruire. Ah, c'est sûr. Et ouais. C'est sûr. Mais les... Mais c'est bon esprit. C'est bon esprit. De toute façon, c'est pas de la compète pour humilier Léon. Mais c'est ce que j'allais dire. En tout cas, c'était le spectacle qu'on voulait voir. Ouais. C'est cool que ce soit organisé. Génial. On a hâte de voir les deux se tirer la bourre. Et je trouve ça génial que les deux ont accepté. Oui. Enfin, c'est trop bien. Je crois qu'il y a un truc pour une fondation aussi. Chaque panier marqué dans la fondation et tout. C'est ça. Et puis moi, je trouve que les gens, ils vont plus regarder ça que le concours à 3 points. Tout le monde va regarder Steph contre Sabrina. Ça va être l'attraction. Sauf si Victor fait le concours à 3 points. Ouais.
Mais ça n'est pas sorti, ça, encore. Non. Ouais. Non, mais il a passé le bon pourcentage pour le faire. Non, il ne met pas beaucoup dedans. Il est en dessous des 30. Il est en dessous, ouais, c'est ce que ouais. j'allais dire. C'est ce que ouais. j'allais dire, il est en dessous des 30. Donc. Il ne va pas faire tous les concours. L'ami. Non, mais déjà, le concours de meneur, s'il le gagne, ce serait génial. Ouais, grave. Ouais, génial. Pour terminer, votre avis sur la déclaration de Luis Enrique, je ne sais pas si tu as entendu, Tony. De qui Luis Enrique. Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain. Donc, ils ont fait un match nul face à Brest, alors qu'il menait 2-0. Ça s'est terminé 2 partout. Et donc, il a déclaré à propos du scénario, c'est simple, on a perdu le contrôle du match. Pourquoi? Parce que c'est du football et pas du basket. Donc ça peut arriver et c'est arrivé. Alors qu'est-ce qu'il a football, voulu dire pas du par là? Tipeee, Luis Enrique, il a chié sur notre sport, je le dis tout de suite. Ah ouais? Ouvertement devant. Pourquoi toi tu le comprends comment? Tu prends ça comment? Bah, en fait, le journaliste lui dit qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Il dit on a perdu le contrôle du jeu. Et le journaliste lui dit mais pourquoi vous avez perdu le contrôle du jeu? Et lui il a l'air de dire pourquoi on a perdu? Bah, parce que c'est du football, c'est pas du basket. Sous-entendu, au basket, quand t'as le contrôle du match, la tendance s'inverse pas. C'est une phrase d'ignorant. Au basket, c'est peut-être le sport où il y a le plus de retournements de situation possible. Ah bah grave, bah beaucoup plus qu'au foot en plus. Ouais, oui, où t'as 24 secondes. Où t'as 24 secondes pour shooter, ouais. Donc ça veut dire que tu peux pas garder le ballon pendant 2 heures. Au bout d'un moment, t'es obligé de rendre le ballon à l'adversaire. Donc c'est une phrase. Mais en fait, Luis Enrique, tu connais un peu le personnage? Non. Il chie sur les journalistes. Ça veut dire qu'un journaliste c'est un bonheur, tous les week-ends. Peut pas parler football avec lui parce qu'il a l'impression que tu connais pas, t'es pas dans son monde. Alors peut-être qu'avec d'autres tacticiens, il parle foot. Il est insupportable. Il est insupportable, il prend tous les journalistes de haut, il n'a pas envie de parler de football. Alors, je peux comprendre que les coachs... Après, ça le dessert, lui, enfin, sa réaction, très clairement, après bah, ça, en tout cas, là, ça clairement, le dessert. Clairement, là, il ne connaît rien au basket, ça c'est sûr. Parce que le basket, c'est le sport où il y a le plus de retournements de situation. C'est ce que tous les gens qui ne connaissent pas le basket, quand ils viennent pour la première fois à l'ASVEL, et oh, comment ça va vite, t'as 10 points d'avance, 20 points d'avance, ça peut être parti en 2 minutes. Dijon, ils étaient à moins 25 en BCL cette semaine, et ils ont exactement, gagné. Et ils ont gagné. Et au foot, ça, c'est beaucoup plus rare au foot. Donc, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Ouais. Et, non, mais là, il dit quelque chose, il connaît rien. Luis Enrique, tu connais rien. Est-ce qu'on a plus de chances de voir le Paris Basketball en Euroleague avant le Paris Saint-Germain qui remporte la Ligue des Champions? Voilà, pour terminer l'émission. Bon petit débat. Ça veut dire que le Paris Basketball, allez, d'ici 2-3 ans, allez, je veux dire 3 ans, ils sont en Euroleague. Ça veut dire que dans 3 ans, il faut que le Paris Saint-Germain gagne la Champions League. Le Paris Saint-Germain a 3 ans pour remporter la Champions League. Tout dépend si Kylian reste l'année prochaine. Je sais pas. Ah. T'as des infos ou pas? Mais j'ai pas d'infos. Non. Pas d'infos. Game changer. Moi, je pense que il y a plus de chances que le Paris Basket gagne l'Euroleague. Gagne l'Euroleague, non, participe en Euroleague. Hein? C'est pas gagner l'Euroleague. Ah, on va participer, bon, encore plus alors. C'est un supporter de l'OL qui dit ça, il veut pas voir le PSG gagner. On parle pas trop de l'OL cette saison. Si, ouais. On en parle, mais pas dans les bonnes... pas comme il faut. Ah, PSG, c'est dur, hein. Je sais pas. Ça va être dur. De toute façon, il faut qu'ils gardent Kylian. De toute façon, c'est leur priorité. Un petit pari, il part ou il part pas? Moi, je pense pas qu'il va rester. Donc il part. Ouais. Moi aussi, je pense qu'il part. Leslie? Sekeda. Sekeda, il reste? Non, je pense qu'il va partir. Voilà, très bien. Voilà. Nous aussi, c'est l'heure de partir d'ailleurs. Il va falloir y aller là, Tony. Bon, allez. Bon. C'est la fin. Merci encore, Leslie. Merci, Stéphane. Merci, Tony. Je vous donne rendez-vous. C'est la fin du Squeak Show by Tony Parker. Tous les vendredis, 18h. À bientôt.